Est-ce que tu vas garder des souvenirs? Qu'est-ce que tu vas te rappeler de ton expérience avec... C'est sûr que je garde des bons souvenirs, de très bons souvenirs. En plus, ça a été court, mais intense. Donc, je vais me souvenir de tout le monde. C'est des beaux garçons. C'est des belles personnes. Et puis, moi, ils m'ont vraiment fait sentir de la famille, de l'équipe, même si je suis arrivée il y a 4-5 jours. C'est ça, ils sont attachants en plus, hein? Ils sont super attachants. Ils sont beaux. Puis, ils te le font sentir. Moi, c'est tout le temps madame. Puis, vous sentez bon, puis vous êtes belle. Puis, tu vois, toujours avec des affections, des bisous. Nicolas, Samuel, Brom, tout le monde. Ouais. Donc, très content. Je les garde pour moi. Il y a tout le temps de la... Je suis pas une vague, je suis un arc. Uno, dos, pa, 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 Chloé est une chorégraphe très physique qui démontre les pas plutôt que de les expliquer. Ça semble bien fonctionner pour les gars cette semaine. Dans les briefings cette semaine, je parlais à Chad de connecter, d'être là, d'être présent. Et la journée même que j'en ai parlé, je l'ai vu. Félicitations. Merci. J'aime ça quand je dis des affaires puis que je vois que ça se passe. Je pense qu'on devrait prendre 2 secondes puis regarder Chad puis Alex performer pour qu'on le comprenne. Je pense que c'est dans le voyant qu'on va comprendre. Ouais? Mm-hmm. Nico s'est servi d'Alex et moi pour comme exemple. Puis au tag, c'était stressant. Ça fait du bien de savoir que finalement, bon, je suis pas si poche que ça. C'est simple. Il y a une intention, un clair, et elle décroche pas. J'ai fait l'exercice tantôt, je les ai fixés dans les yeux, les deux. Pendant une bonne section de la chorégraphie, il y en a pas un qui a décroché. Ils ont pas regardé ailleurs, ça les a pas déconcentrés. Je sens pas qu'ils comptent leur musique. Quand vient le temps de performer, malheureusement, la performance prend le dessus. T'oublies les erreurs chorégraphiques si quelqu'un ne décroche pas au niveau du visage. Les gars travaillent vraiment fort. C'était pas évident cette semaine, parce que c'est un style qu'ils n'avaient jamais touché de leur vie. Ils voulaient aussi tous être à la hauteur des attentes de Chloé. Bien hâte de voir ce que ça va donner demain. J'espère qu'ils vont bien saisir le rythme et représenter l'âme du flamenco. Pas à action pour commencer à performer. Je veux voir ce que j'ai vu hier la dernière fois à la première répétition du spacing. Et je veux que ça aille en augmentant à partir de là. I'm ready for the to do the performance today. Whenever I perform, my mind is always clear and focused on what I have to do.
general, I'm still working at it. Il était un matador autrefois. Maintenant, il est danse. Ouais, c'est ça. Bon, oui. Oh. Vous le trouvez bien? Je vous veux les 10 dans ma compagnie. On a un petit quelque chose à vous dire. Tout d'abord, on voulait vous remercier d'être venu pour nous donner un cours de flamenco, en fait, pour la performance. On a vraiment apprécié le moment qu'on a passé avec vous. Puis on sait que vous partez demain pour l'Espagne, donc on avait un petit quelque chose pour vous. Je peux pas croire. Elle sent en plus ton parfum. Voilà. Merci, les garçons. Merci à toi. Je vous aime, puis je vous ai pour toujours. C'est pas fini. C'est pas fini. Merci. Merci, mon beau. Merci. Et le meilleur beaucoup. Pour la fin, la lettre qu'on a écrite. En espagnol. Il faut que vous l'écrivez là maintenant. Okay. J'espère que vous n'avez pas écrit des cochonneries, là. Non, señorita Chloé, quisiéramos agradecerle por habernos hecho descubrir este fabuloso baile que es el flamenco. Usted es extraordinaria. Gracias por los consejos que nos dio. Nos serán muy útiles para nuestro perfeccionamiento. Le deseamos un lindo viaje de regreso y tan tan priam. Sus 10 mosqueteros. ¡Ole! Yeah. Merci d'être là, c'est génial que vous dites ça. Encore plus dans la vraie chose. On veut pas sentir l'effort, on veut pas sentir que vous êtes en train d'essayer de nous donner un personnage, on veut que vous le soyez. Posture, Vlad? On écoute la musique. Oui. On est attentif et on m'écoute moi, que je vais être là pour vous guider. Ah, oui. Si je suis votre guide. Et même si vous sentez que vous êtes en train de débarquer de la musique, essayez de que ça paraisse pas dans votre visage que vous êtes en train de décrocher de la musique.
comme à chaque performance, je pense qu'on a fait une belle job, les gars, tout le monde ensemble. Chloé a l'air vraiment contente. Fait si elle a rien à dire, ben, moi j'ai rien à dire. Flamenco, olé! C'était l'une des rares fois que mon père a pu venir voir la présentation. Donc c'était la première fois qu'il venait. De le voir pour de vrai, qu'il était fier et ému, c'était cool à voir. Avant, il était un matador. Maintenant, il danse. Maintenant, il danse. Regardez les bras hauts, ouais. Pas les coudes bas. C'est vraiment difficile techniquement, mais c'était clair. Avec votre petit look latino. Espagnol, excuse-moi, espagnol. T'as l'air de cubain. Moi, j'ai l'air de cubain. Là, je suis un gars du Bronx, même. Bref, on sait que bon, Joy. Présentement, c'est pas sa période, mais ce que je peux dire, c'est qu'il nous revient tranquillement. Puis moi, j'ai confiance en lui. On en a besoin des 10 gars. Puis d'ici quelques temps, le joueur qu'on connaît avec ses blagues en français mélangées à l'anglais, puis poisson pourri, je sais pas quoi, mais il va revenir. Donc moi, je sais que tout va être correct d'ici là. Cette semaine, ça va faire de la salsa. Oh! 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Les gars, dépêchez-vous en haut, man. Tu fais crier de toutes les barres ici. Tout le monde, 10 push-ups, sauf Sam. Ready? On flip, boom, on fun, on roule. Non. Eric devrait pas avoir à demander le silence aussi souvent que ça, puis je serais pas supposé être en train de vous dire ça. C'est inacceptable. Pendant 16 ans, jusqu'en 1968, Radio-Canada ne diffusera pas les matchs en intégralité. On craignait alors de faire fuir ceux qui payent leur place dans les tribunes. En fait, c'est tout le contraire qui se produit, avec, en prime, un gain de notoriété immense pour les joueurs.